Donc, pas de travail, pas de l'école. En fait, rien n'a pas fonctionné. Et c'était la vie. Et bon, pratiquement, actualité à la demi-chuteau avec mon attente qui vient sur, après nomination. Et Gary Conille, docteur Gary Conille, comme premier ministre haïtien, et c'est qu'on y a, il y a tant à ce que, pratiquement, est-ce que lui va en Haïti déjà, parce que, normalement, nomination des fêtes là, désignation des fêtes là, il part en Haïti, donc est-ce qu'entre-temps, et premier ministre, il vient en Haïti, non, pas qu'on est, mais qu'on y a, ce travail, conseil présidentiel, transition, là, fait, qu'on a pas de travail avec premier ministre. Et là, pour yo mettre sous pied un gouvernement. Bon. En fait, gouvernement, tout le monde a dit qu'il faut que son gouvernement largement large, côté au jeune qui a de gain représentation, plusieurs secteurs, là-dedans, surtout secteur qui formait et conseil présidentiel. Conseil que le secteur était mis ensemble, puis était mis sous pied conseil présidentiel. Donc c'est sûr que chaque monde va chercher mandat. Parti par eux, comme cabinet, etc. En principe, dans le temps passé, c'était près de 18 et cabinet ministériel, sans compter le secrétaire d'État et direction générale et poste ambassadeur, tout ça. Donc, c'est qu'on a assez, tout le monde cherche son côté pour mettre quoi, pour entrer. Et pendant où machine, là, où bicyclette a viré, donc tout le monde s'est cherché, Kembe ou a pendant la vie, pour Kembe ou pas la quoi. Donc, c'est ça qu'a fait. Mais, nomination et premier ministre qui a reconnu là, il y a une controverse quand même, il y a mon cap babi et tout, et qui a dit que, est-ce que, effectivement, il remplit toutes conditions qui étaient demandées, etc. Mais, il y a un petit paragraphe, non, et à 4 avril, là, qui était portable ouvert pour un haïtien qui a vu dans la diaspora. Parce que, il dit que, il t'a semblé que, docteur Gaïkoni, t'as déconnecté de réalité, ça veut dire que depuis 2011, l'aile était fine, en fait 2012 pratiquement, l'aile était fine en bouche trouvée avec président Michel Martelly. Donc là, ça, monsieur était démissionné, avec fracas, il démissionné, donc le ça, t'as semblé que lié à l'étranger, donc t'as qu'à déconnecter. Mais il y a tout le monde, partisan, ou bien encore l'autre leader politique, qui dit que ça va empêcher, ça va qu'empêcher que le fait travail que le faire, parce que, et, gain l'autre membre, gain l'autre monde, gain conseil là, gain l'autre monde qui est dans le pays, qui connaît et qui est capable d'accompagner dans la démarche à faire. Pendant ce temps, on travaille pour, et accueillir force multinationale là, ou bien force sécurité internationale là, qui a piqué dans le clé, mais travail ça, là, continuer, c'est pas presque fini même, parce que l'avion américain continue à porter matériel nécessaire pour bâtir base. Et militaires étrangers, c'est ça qu'on a fait dans un aéroport. Mission Kenya qui était en Haïti, la mission ça a déjà quitté Haïti, déjà retourné au Kenya. Donc, très certainement, il y a un dernier rapport avant force multinationale à déployer. Mais le président Kenya, dans une déclaration, d'après la presse Kenya, est rapporté, mais il a dit que c'est pratiquement ça, d'après 3 semaines pour que force là les déployer en Haïti. Donc, encore, c'est une période d'attente encore. Et en parlant de ça, on a dit que l'aéroport de l'ouvrir qu'on y a, étant donné que l'Américain a annoncé un vol jeudi à même, le lundi, jeudi 30 mai, donc il y a un vol qui peut capable en Haïti, et très certainement il y a l'autre réservation encore qui est là, et il y a un Spirito qui beaucoup fin clair, JetBlue tout. Il a annoncé même tout, il a pour commencer opération. Et puis bon, la compagnie locale là, on a parlé de compagnie aérienne locale qui fait ville provinciale avec eux-mêmes. Eux-mêmes, depuis quelques jours, depuis presque une semaine, depuis plus de 3 semaines, eux-mêmes étaient déjà à opérer. Et si j'en ai parlé encore, nous t'es. Qui n'ont pas nous parler, de parler de ce système d'actualité à l'abdomen, et puis je dis à tous pour amis nous qui sont frontières et Mexique avec États-Unis, mais qui ont une belle go élection au Mexique, et l'élection ça, l'improbable, d'après tout sondage qui était bail, capable de gagner pour la première fois, et si tendance électorale, les gens pour aller, et bien probable que Mexique est capable de gagner président fille.
Et c'est ça qui est tendance en bas. Mais on attend quand même le résultat parce que c'est l'électeur qui va prendre des décisions. L'électeur qui va agiter le bulletin aujourd'hui, il y a son gros élection. Côté président Manuel López Obrador, le président sortant, donc le candidat pour la propre élection. Et puis il y a une dame qui est campée, qui est censée abtalonner pour le résultat, mettre à terre sous fauteuil bourré. Et puis, bon. Activité gang yo continue à mener opération par yo, non, façon par yo. Et c'est vrai, dernièrement, ambassadeur américain en Haïti, M. Hankin, s'était déclaré, et, bon, mais ça va, gang yo, c'est prison, ou bien, faire voile pour payer son chapeau. Et donc, si monsieur n'a pas déposé les armes, vraiment, il vous le fait passer, il dit que, il n'y a pas qu'à quoi, que tout le monde qui est dans la salle de gagner une alternative pour tout le monde qui est à l'école, il n'y a pas de étant donné que pas rien à faire, donc facile pour que les gangs recrutent pour le travail, et puis commettre crime pour eux. Donc c'est peut-être mission force multinationale. En fait, il y a un peu l'idée par qui a parlé, il y a un peu qui dit que force multinationale n'a pas bataille avec gang, il peut seulement travailler avec la police nationale là, donc il peut travailler à côté de la police nationale là pour, et pour entrer dans la police nationale là. Il a dit que non, c'est bataille, on va battre avec gang eux-mêmes pour rétablir la paix, pour qu'il y ait une élection dans le pays. En parlant de ça, et selon tout expert qui a suivi le dossier haïtien, il a dit que le conseil présidentiel qui l'a, initialement, il n'a pas même gagné. Et le mandat a fini 7 février 2026, le pouvoir passer par un président élu. Donc, il dit que quel soit le gouvernement qui a fini, il n'y a pas de bagarre que le capable faire. C'est ça, c'est pour avoir un marché pressé. Et marché pressé, ça, c'est d'abord une loi électorale. Et puis, il y a une révision constitution, si c'est ça qu'a fait, ou bien qu'on passe maintenant la constitution toujours, ou bien éventuellement, si il y a un temps, une conférence nationale, et puis les élections. Bon, le conseil a déjà préparé un document côté de parler de l'année 2025, c'est vraiment une année électorale. Donc, toute discussion à prendre. Donc, on y a une fois que le gouvernement s'est fini d'installer, nous pourrons tomber dans ce phare, les phases pour préparer et nomination d'un conseil électoral provisoire qui lui-même pourra réviser ça qu'il a, ça qui existe, ça qui a besoin. Et puis, pour que le campagne là est lancé. Mais le campagne là n'a pas qu'à lancer tout si les conditions de sécurité n'ont pas réuni. C'était toujours la même question ça qu'il a depuis sous président Jovenel Moïse, que les candidats ont été dit oh, l'élection si les conditions de sécurité n'ont pas réuni. Surtout, que les zones ont été gagnées ou contrôlées. Donc, il faut que la question ça résoudre. Donc, voilà, c'est ça. Les judiciaires, je ne vais pas prêter trop non avec nos judiciaires. Et ça, m'a dit non, les judiciaires, c'est fait en Haïti. Donc, activité à reprendre pratiquement demain. Bon, nous, on va à la voie d'Amérique. Et tempête ou pas, nous là, fête ou pas, nous là. Pour nous porter nouvelles là-bas, on va se mettre là-bas fermé. Et puis, dans New York, actualité assez surtout avec le jury à cap délibéré pour qu'on prenne une décision. Et ces décisions que vous allez prendre, c'est plus qu'on est. Est-ce que si ou non, que président Donald Trump. Et ça a reproché là, je n'ai pas pour lui. Alors, son jury qui a 12 membres là, dans 7 garçons, 5 filles. Et dans ce type de jugement, ça a eu, faut que tout jury, tout 12 membres du gars, faut que tu as d'accord que, effectivement, Donald Trump coupable de commettre fraude. Genre que, de chercher falsifier ces deux documents pour te cacher l'argent, $130,000, le bah, Stormy Daniel, pour t'éviter, pour t'acheter Paoli, pour ne pas prendre la rue, à raconter qu'elle était dans l'affaire amoureuse avec l'ancien président en 2006. Ça qui était capable d'affecter la candidature de Donald Trump en 2016, elle était candidat. Et non seulement ça, l'ancien président, tout, il était et un journal, un magazine que dit même tout, il était ou bien le responsable magazine a acheté article, tout article qui a venu pour être défavorable pour eux, et bien monsieur était pour l'article ça, il tue, l'éliminer article ça, l'article ça disparaît. L'article ça a été disparu, justement, pas de aucun article qui n'a pas défavorable à l'ancien président qui l'a affecté et candidature à l'ancien président. Donc c'est ça qui l'a dit. Alors, défense en grand seul bali, défense en besoin, yon gren, sous douze,
qui pour dire qu'il n'est pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, donc il présente dehors. Parce qu'on conseil criminel a fait, il faut que tout le monde d'accord qu'il dit quoi. Alors, une petite question à poser, tout qui s'est pas passé, si tout juré, tout membre juré est d'accord, effectivement, ça qui dit c'est ça, arrêté, etc. Et est-ce que le président Donald Trump va toujours candidat? C'est la grande question. Est-ce qu'il est toujours candidat? Et Fondal et puis toujours avec expert pour dire, par exemple, et il me dit, bon, est-ce que si l'électeur allait voter carrément, ça va passer. Bon, si l'électeur allait voter, il vote, même s'il est dans la prison, et puis l'électeur allait voter, là, si on ne va pas le libérer pour continuer pour lui faire mandat. Autant de questions qui viennent, mais nous quittons ça pour experts, experts sur affaires élections, experts dans affaires questions américaines, eux-mêmes, qui sont capables de répondre à des questions là et ce système pour ton réponse. Par exemple, maintenant, je suis toujours en attente que qui donne les décisions, qui décision le juge après prendre lui-même, mais je suis à l'union de libération et non apprendre que le juge a eu des difficultés tout parce que il y a des témoignages qui étaient faits, il n'y a pas de fin. Trop clair sur eux, directement depuis eux, étant des témoins ça encore, avant que eux finissent, on va dire, sur la situation et l'histoire. Parce que l'histoire, la première fois, il y a pu juger un président et américain. Voilà, mes amis. Maintenant, bon, ouais. Et puis, dossier dominicain, pour faire qu'on a fait commencer à garder dominicain, comme ça, pour regarder Haïti encore. Pas oublier que l'élection président Luis Abinader, éliminer la campagne électorale, soit Haïti, que l'été mettait non mauvais en, et puis d'utiliser le dossier Haïti à politique à remporter l'élection. Mais l'Elfine remporte l'élection, qu'on a, dans la réunion que le fait, lui, reparler d'Haïti, il dit, ah, nous perdu combien de pourcentage dans la relation commerciale, non, avec Haïti, il faut que nous repassions le dossier-ci-là, et très certainement, Haïti de Gombay, non, mais tout. Et c'était le dossier canal-là. Donc, Haïti de Gombay, non, mais tout. Si Dominique a vini qu'on a, pour venir conquérir le marché haïtien, eh bien, il faut qu'Haïti pari tout pour lui et faire un contrôle de qualité, contrôle des produits dominicains qui sont voyant les passer. Et nous apprenons que d'après ça, tout le monde a apporté, Dominique était comme produit pour nous, alors que le produit que vous voyez vendre en Haïti, ce n'est pas un produit de qualité. Donc, il y a un contrôle du côté du ministère de l'Agriculture, justement, pour ça. Donc, il faut que nous parions qu'on ait apprenant ça. Et comme par le nouveau gouvernement, donc c'est certainement va bien. Et une autre façon, une autre approche dans la relation commerciale entre Haïti avec les Dominicains. Et jusqu'à présent, Haïti était un plus bon marché que les Dominicains ou vendent. Reste bagaille ou pas besoin. C'est là qu'il y a eu la guerre. Et ben nous pour nous utiliser pour nous manger. Voilà, c'est ça que dit. Il faut être par là, non? Il faut tourner dans le pays. Je sais. La carrière. Mais n'a du côté de l'Hervé. Après ça, tout le monde là. On a Hervé et. Et procès, ancien président américain Donald Trump, qui arrivait dans une phase finale. Et puis, dans le pays d'Haïti depuis hier, c'est Gary Coni, docteur Gary Coni, qui tournait nouveau premier ministre dans le pays d'Haïti. Donc d'abord, et après 6 semaines de débat, et dans New York, côté que. C'est l'histoire qui t'a déroulé. L'histoire continue à dérouler toujours. Parce que c'est la première fois dans l'histoire que un président américain, eh bien, l'a jugé dans un procès criminel, dans un procès pénal. Donc, pendant six semaines de débat, ça, il parle en pile de l'argent, il parle en pile de sexe, de politique, de campagne électorale. Et qui ça bagarre là? C'est qu'en 2016, pendant la campagne électorale là, eh bien, ancien président Donald Trump t'a fait une tentative ou bien t'as acheté silence et vedette porno Stormy Daniels $130,000. Donc c'est Michael Cohen qui c'était avocat et Zamin tout qui t'a bail et star porno à Cobla et Konya et ça vient tourner un gros causé et c'est un crime ici aux États-Unis parce que y a falsification là-dedans et des cahiers comptables. Donc bagay ça vient la justice. Donc pendant 6 semaines, c'est ça qui était discuté. Et jodi a arrivé dans une phase finale. Phase finale parce que hier, c'était ça aurait les arguments finaux. Argument final là, c'est côté que
et avocat défense là lui-même l'a présenté et eu un plaidoyer, l'a présenté fait et l'a essayé convaincre 12 membres et jury. Gain 12 jurés, donc 12 membres jury, gain 7 filles avec 5 garçons. 7 filles avec 5 garçons et yo trouvé yo dans 15e étage tribunal là. Ancien président Donald Trump te paraît matin, monsieur te levé men, poil en l'air, secoué men, c'est un coup en forme de victoire et pendant que délibération a fait tout, eh ben il te parlé avec la presse donc, comme d'habitude pour dénoncer parce qu'il dit ça qu'a fait là, tout le monde d'accord que ça qu'a fait là, c'est persécution politique que il va gagner pour le avec la justice. Et je dis à un moment n'a parlé là, c'est les délibérations qu'a fait au niveau 12 membres jury. Principe là pour ancien président Donald Trump condamné faut rejoindre tous 12 membres jury, tout membre jury a eh ben il d'accord que eh ben monsieur coupable. Question que qui devant jury a, c'est question ça gain pour répondre tous les 12, est-ce que ancien président républicain Donald Trump coupable pour 34 falsifications de documents comptables pour te bail Stormy Daniels $130,000 pendant la campagne électorale en 2016 en face démocrate Hillary Clinton. Donc, processus là, ou bien procédure, si vous voulez, eh bien, c'est d'abord deux parties, gagné d'abord avocat défense là, et avocat défense président Trump là, qui montrait que, eh bien, pas aucune preuve qui t'a qu'à montrer que, eh bien, président vraiment t'est falsifié et qu'a est comptable pour t'es cabaye Stormy Daniels $130,000. D'ailleurs, c'est pas président d'après eux-mêmes, c'est pas président que t'es Bailey. C'est Michael Cohen. Michael Cohen, c'est un qui était un gros témoin pendant des bails. Et c'est après, en 2017, le président entré dans la Maison Blanche que, eh ben, il fait arrangement pour, eh ben, monsieur Michael Cohen, t'es qu'à jouer une cobla en retour $130,000. Pour avocat défense, ça veut dire avocat équipe, batterie avocat cap défendre ancien président. Il dit que Michael Cohen, qui c'est plus gros témoin, il dit c'est plus gros menteur qui existait. Monsieur te baï menti et Michael Cohen était d'accord tout que il te baï menti pour ancien président Donald Trump, là ça était quoi contre Figaro et il était d'accord que c'est menteur. Donc c'est lui-même il d'accord qu'il te baï menti et avocat défense pendant dans argument final, il te dit que monsieur c'est un menteur. Donc, il dit, il n'y a pas de preuve. Donc, si il n'y a pas de preuve, il est difficile pour vous condamner. Et puis, gagner procureur. Donc, avocat de défense, il a passé 3 heures de temps, lui-même. 3 heures de temps, côté, il a essayé de convaincre membre jury. Et puis, gagner et procureur avec Joshua Stein, ou bien prononcé Stein, ou bien Steinglass. Eh bien, lui-même, c'est procureur, lui-même, c'est un coup avocat accusation. Donc même il a montré qui gens que son bagage qui clair que président ancien président t'es dans faute il fait ça qui passe ça donc il a demandé condamnation pour eux. Si on joint ni coupable eh ben bagala pral chavirer là son campagne électorale qui va chavirer pas oublier que nous non année électorale 2024 là et que ancien président il pratiquement nous dit pratiquement, c'est lui qui va le représenter, parti républicain, dans l'élection qui vient pour dérouler 5 novembre 2024. Là, donc, Anessa, qui en face, il va en face, et Joe Biden, il va en face Joe Biden, qui lui-même a représenté parti et démocrate. Là. Donc, c'est deux personnes âgées, avec Joe Biden qui a 81 l'année, et puis Donald Trump lui-même qui a 77 ans. Donc, dans le moment où on a parlé là, c'est un pile débat qu'a fait et devant le tribunal là, nous avons Valério Saint-Louis lui-même qui devant le tribunal là, qui a suivi pour nous situation. Donc, question qu'a posé qu'on a, qui a procédé là pour délibération? D'abord, membre jury, il faut rejoindre à l'unanimité. Depuis qu'il rejoigne à l'unanimité et que il rejoigne ancien président coupable, à l'unanimité, ça veut dire sans manquer yon, tous les 12 moun yo, tous les 12 membres jurés, et 7 garçons et 5 filles, eh ben, yo pral voye le bail juge là, Ron Merchant. Ron Merchant lui-même, li gagne, des possibilités pour ancien président condamné pour 3-4 ans prison.
Mais juge là tout gagné ça ou t'a relé pouvoir discrétionnaire dans niveau ça côté que il capable prendre une solution alternative côté que yo pas mettre en prison vraiment et que yo fait une autre bagaille. Donc tout ça nous pral connait nous arrivons dans phase finale et on dit que après un nombre de temps si par exemple moi je yo fait débat yo tergiverse yo pas qu'ajoin un résultat et ben vinn gon l'heure que y a campel et y a pour recommencer encore et y a pour recommencer encore et tant coup et à zéro. Donc tout ça nous poko là maintenant on a parlé là tout focus là sous New York côté que et ben a gagné délibération qu'a fait dans moment on a parlé là côté que monsieur Damzayo yo dans 15e étage tribunal là dans Manhattan. Hier nous te gagné un spécial sous ça qui t'est passé hier parce que t'es gagné 8 heures de temps et 3 heures de temps pour avocat défense, 5 heures de temps pour procureur, bien que discuté dans pile commentaire qui fait spécialiste fait commentaire sous pour qui ça que défense la gagne 3 heures de temps et que procureur gagne 5 heures de temps donc son l'autre cause quoi c'est donc dans pile technicalité dans question procès ça et donc c'est un bagaille tête chargée qui gagne politique la donne qui gagne sexe la donne qui gagne l'argent la donne qui gagne paquet causé la donne. Et il y en a un gros témoin tout qui en soit dit en passant que Stormy Daniels lui-même venu faire des positions tout côté il parlait de sexe qui j'en ai fait sexe là avec ancien président, il parlait de préservatif que ancien président pas de le mettre, il dit que son bail disgusting, son bail comme si qui pas de faire plaisir. Donc c'est ça que il dit mais et c'est des accusations que ancien président Donald Trump toujours rejeté, il dit que Tigran Mounsa que Stormy Daniels que le considérer dit son monde qui sous monde il va t'en causer comme ça va te gain bail comme ça du tout. Donc ancien président toujours nié causer ça. Donc c'est un grand point qui a dominé l'actualité, si c'est pas plus gros point qui a dominé l'actualité surtout l'actualité concernant pays d'Haïti. C'est pas pays d'Haïti, les États-Unis veut dire. Donc ça veut dire nous-mêmes dans le service que là nous hier n'a pas que hier nous avons commencé programme là avec question ça, c'est sûr qu'après-midi encore, nous gagnons sous place Valérie Saint-Louis qui a suivi pour nous de très près. Et puis dans le pays d'Haïti lui-même, c'est Gary Conné, 58 ans, qui tournait nouveau premier ministre dans le pays d'Haïti. Et il y a 7 membres qui étaient là. 7 membres qui étaient là dans le moment et ils ont pris la décision. Il y a 2 personnes qui partent là. Il y en a qui ont droit de vote, il y en a qui n'ont pas droit de vote. C'est d'abord Laurent Saint-Cyr, qui est représentant secteur privé qui part là. Yo nouvelle yo pas dit pour qui raison le pat là, est-ce que le te gain droit pat là, et nous t'étendre quelques monde qui pas vraiment en mesure pour te dire nous qui raison. L'autre monde qui pat là tout c'est Régine Abraham c'est fait partie de deux membres observateurs qui pas gain droit de vote. Donc sous 7 membres qui étaient là, il y a 6 membres qui voté donc pratiquement à l'unanimité parce que gagne yon qui était là qui pas de gain droit de vote. Donc Gary Conné c'est une figure connue parce que il était déjà premier ministre avec et sous président Martelly et ben là ça ont déjà passé mal entre eux parce que yo pas capable entendre vraiment et que finalement et docteur Gary Conné par l'autre choix de et démissionner. Et les mauvaises langues disent, bon, définitivement, pays, ça, son pays qui gagne chance avec docteur, parce que l'ancien premier ministre, et Ariel Henry, c'est un médecin, un neurologue, qu'on y a nous gagné, et nous gagné, qu'on y a Gary Conné, qui sont l'autre, mais c'est son fonctionnaire international, qui gagne plus de 20 ans d'expérience, monsieur gagne 58 ans, et les gon compétences dans la science du développement et parce que le pratiquer les travaille pour Nations Unies, il travaille pour un paquet organisation non gouvernementale et dans carrière li monsieur était directeur régional UNICEF pour Amérique latine à Caraïbes ou bien lycée directeur UNICEF pour Amérique latine à Caraïbes depuis janvier 2023 et donc actuellement là les responsables direction et il a fait supervision à orientation dans 37 pays et territoires, côté le représenté UNICEF auprès du gouvernement Sayo, avec donateurs, secteur privé, société civile dans la région. Avant ça, il était coordonnateur résident dans le bureau, par exemple, il était dans Jamaïque, côté le couvre Jamaïque,
dans bureau ça couvre Jamaïque, Bahamas, Bermude et les îles Turques et Caïcos et puis les îles Caïman yo et puis comme il était coordinateur résident dans Burundi donc il gagne un cadre de visite impressionnant et fond du tout pendant dans époque tremblement de terre 2010 là il était chef cabinet envoyé spécial Nations Unies il te travaille tout dans reconstruction GFOYO pour pour te reconstruire Haïti. Donc c'est pratiquement Guy connaît pas un inconnu et monsieur déjà font tweet lui remercier tout le monde qui t'a supporté notamment diaspora qui t'a supporté qui t'a patronné même et candidature mais ça qu'on y a c'est Guy connaît. Gay koni konya li pral prend fonction et gros bagay kap tan ni c'est définitivement question sécurité et question sécurité c'est dans moment tout que gagner force et ou ben mission multinationale pour sécurité pour aider dans sécurité pour appui sécurité dans pays d'Haïti et ben gagne pile ti hésitation qu'a fait bien que et ben tout porte à croire que y a venir très bientôt le 23 mai gagne une délégation qui vini logistique gagne problème logistique et autres mais gagne bagaille qui continue à faire d'après les derniers renseignements nous t'ai prend avec correspondant nous dans Port-au-Prince et ben l'armée américaine continue à porter un pile matériel pour police nationale là et gagne discussion qu'a fait tout sur qui est qui pral déloger gang yo qui continue à faire des ordres à semer la terre et notamment gagne tout réaction qui continue à tomber après coupe missionnaire américain ça qui que gang yo assassiné dans pays d'Haïti et puis gon haïtien tout qui la donne donc ça fait 3 donc grand pile discussion qu'a fait même au niveau États-Unis parce que eh ben position ambassade américaine côté que était sollicité pour te s'il t'a sauver moun yo il dit pas gain moyen et donc c'est autant de réactions qui continuent à tomber donc docteur Gay Koni qui c'est pral nouveau premier ministre lui-même li pral gagner pour lui et attaquer problème insécurité c'est premier problème et que la gain pour l'attaquer parce que rien d'autre pas qu'à faire sous pas gain sécurité d'après toute sa spécialiste yo dit gain réaction en pile réaction favorable qui soutient en faveur docteur Gay Koni et mais gain moun tout et pas tout monde qui d'accord gain moun il pas fait totalement l'unanimité gain moun qui dit que son bouillon réchauffé parce que tout simplement il était premier ministre sous ancien président Michel Martelly il dit son bouillon chauffé gain même côté qui a fait référence à un petit problème légal dans question donc c'est autant de points que nous n'a gain pour aborder avant dans l'autre occasion sous docteur Gay Koni mais en attendant gain pile réaction favorable qui sorti gain qui défavorable tout gain par exemple gain monde qui croit que yo même pas croit dans système côté qu'on gain 9 monde comme et qui formait un conseil présidentiel de transition et avec 2 qui pas gain droit de vote yo pas croit yo dire trop monde et gain monde qui croit que c'est tout simplement pour aller dans cour de cassation parce que yo fait expérience cour de cassation déjà et yo pensait que le tabay plus résultat gain monde tout qui dit que Gay Koni c'est l'homme de l'international et gain monde qui